and I'm hanging on the moment with you. I'm on the edge with you. Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter ma première expérience de concert aux États-Unis. Et ce n'était pas n'importe quel concert, étant donné que je suis allée voir Lady Gaga pour la première fois. J'avais envie de vous raconter cette première expérience parce que je me demandais, avant d'y aller, s'il y avait des différences entre un concert aux États-Unis et un concert en Belgique, par exemple. Je ne suis allée qu'à un seul concert en France, c'était à Lille. Et je pense que globalement, France-Belgique, c'est plus ou moins pareil, mais ici, j'ai envie de voir s'il y avait vraiment des différences. Et il y en a quelques-unes, c'est-à-dire que nous sommes allés voir Lady Gaga à City Field, qui est un stade de baseball, c'est le stade de baseball des Mets. Et du coup, tout est ouvert, donc il y a le stade au milieu, il y avait la scène qui était dans la fosse, bien sûr, et on avait tout autour les rangées de gradins, et tout était en plein air, sauf quelques rangées vraiment dans le fond, donc il y avait les rangées tout en haut, et puis l'étage du bas, et à chaque fois, les sièges du fond, sur quoi ? 4, 5, 6 rangées étaient protégées par un mini toit au-dessus et les gradins du dessus en bas. J'espère que c'est clair mon explication. Et nos places se trouvaient dans les gradins tout en haut. Je vous mettrai un petit snap pour que vous voyez plus ou moins la distance à laquelle on était. On était dans la section 502, je pense. Et donc on était vraiment très haut. On allait bien voir, hein, c'est pas ça, parce que évidemment les gradins c'est toujours fait de sorte que tout le monde puisse voir, mais c'est vrai qu'on était assez loin. On avait acheté des places, je pense, qui étaient dans les moins chères. Je sais pas si c'était les moins chères, je pense quand même. Mais c'était des places numérotées, donc ça c'était bien, c'était des places assises. Mais du coup, elles étaient un petit peu loin. Et les prix, c'est totalement extravagant. Je pense que nous, on avait payé environ 200, un peu plus de 200$ pour deux. Donc ça va, mais il y a des prix qui vont jusqu'à des milliers de dollars. Donc on s'était dit, on va rester raisonnable. Et en fait, ce jour-là, il pleuvait des cordes. Mais alors là, la drache nationale, comme on dit en Belgique. C'est-à-dire que jusqu'au lundi, même jusqu'au mardi matin, il faisait très très bon, comme aujourd'hui. Et le mardi après-midi, il s'est mis à pleuvoir et c'était prévu qu'il ne s'arrête pas de pleuvoir de toute la soirée. Et effectivement, on est arrivé sous la pluie, on a passé la première partie du concert à l'abri de la pluie dans les couloirs des gradins du stade. Et ensuite, on était sur le point de se résigner et avec nos capuches, notre casquette, tout le tralala, le parapluie, aller s'installer dans la section 502 quand soudain, un mec s'approche de nous et nous dit « Psst !» Ça vous dirait d'aller dans la section 128, je crois. Donc beaucoup plus bas. Mathieu fait non. En mode non, non, on veut pas t'acheter d'autres tickets. Alors le mec fait non, non, mais je vous les vends pas, hein, je travaille ici, donc c'est gratuit, je vous les donne. Et là on se regarde, on fait attendez, c'est quoi l'entourloupe là? Et en fait le mec nous dit non, je travaille chez Ticketmaster, je vous les donne, quoi, j'ai besoin de distribuer ces billets. Oh! Donc on les prend, on se dit au pire on aura toujours notre place section 502 parce que je suppose que personne n'allait prendre ces places là qui n'étaient pas plus avantageuses que d'autres. Et on s'en va en quête de la section 128 et là on trouve des gens à notre place. Alors des gens se disent ok ça tombe, le type nous a vraiment entourloupé et il y a vraiment des gens qui ont déjà acheté cette place, enfin ces places et donc on va se faire couillonner. Et en fait non, les gens étaient là juste pour se mettre à l'abri de la pluie. Parce que oui, à la section 502 on allait être totalement trempés parce qu'on était genre deux rangées devant le toit, mais à la section 128 on était protégé, donc on n'a rien compris. On s'est dit ok, ça a été notre coup de bol de la soirée. On avait vu deux autres filles qui ont eu le même truc, qui ont eu la même chance, mais on n'a pas compris. Toujours est-il que nous on avait notre ticket, on avait notre place au sec, on était hyper contents. On était plus bas et donc on voyait mieux, on était un peu plus près de la scène, toujours en restant je veux dire, pas dans la fosse, ni pas au premier rang, hein, mais bon, on était vraiment bien mis. Et du coup, je pense qu'on a d'autant plus apprécié le concert, parce qu'on a eu ce coup de chance. Alors, j'ai demandé à mon amie Rachel si elle savait pourquoi, en fait, on avait eu ça, et elle m'a dit que ça arrivait de temps en temps au concert aux États-Unis. Ça, je n'ai jamais vu en Belgique, donc dites-moi si vous avez déjà eu l'expérience. En fait, Ticketmaster achète souvent des places plus chères pour les entreprises ou pour, je vais pas dire des célébrités, mais des gens qui normalement seraient là pour aller au concert et peut-être qui sont des personnes publiques, dirons-nous. Je ne sais absolument pas qui, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais parfois, ces gens-là ou ces sociétés-là, ces groupes-là ne viennent pas au concert et donc ils doivent remplir les places de devant. Et donc, ils sélectionnent des gens au hasard et donc on a vraiment eu du bol, ça fait beaucoup de donc, mais bon, vous avez compris le cheminement. Et ben voilà, on a été super surpris, super contents, et on a eu vraiment du pause ce jour-là. Ça n'arrive pas souvent, parce que je vous dis, déjà, aller à un concert en plein air, le seul jour de l'été où il drache, ça ne pouvait tomber que sur nous, mais là, la chance, la roue tourne à tourner, hein, comme dirait Ribéry.
Et donc on a eu vraiment une expérience super. Alors petit mot sur l'ambiance du concert par rapport aux Américains et aux gens qui étaient là. Les Américains bougent tout le temps. C'est-à-dire que nous, quand on va voir un concert, on s'assied, on regarde, on est focus et on va pas faire pipi, on se lève pas, ni rien du tout. Ou si on se lève pour danser, mais je veux dire, on ne bouge pas de sa place. Les Américains bougent tout le temps. C'est-à-dire que moi j'étais assise à côté d'un escalier. Tout le concert, j'ai eu des gens qui passaient. Et on se lève et on va chercher des tacos et on va chercher une bière et on va chercher un hot dog. Mais parce que ça aussi, dans ce stade, il y avait absolument tout ce dont vous pouviez rêver ou cauchemarder. Des tacos, des hot dogs, des pop-corn, des chips, des bières, des sodas. J'en oublie très certainement. Mais alors là, toutes les cuisines possibles, imaginables en mode fast-food. Ce qui donne très faim, hein, parce qu'on sent toutes les bonnes odeurs de crasse. Et ces gens-là, donc, je suppose, les Américains, ou les gens en tout cas qui viennent à des concerts ici, ne font que bouger. Moi, c'est pas la vision que j'ai d'un concert, dans le sens où, moi, je fixais Lady Gaga pendant les 2 heures, quoi. Mais les gens, apparemment, ont une autre manière d'aborder les concerts ici, donc, bon, c'est intéressant à savoir. Donc ça, la bouffe... Les gens sont plutôt respectueux quand même, parce qu'il n'y a pas de con qui va venir se mettre devant toi et en mode rien à foutre. Les gens se bousculent pas, ils sont très très... droit, hein. Y a pas de bagarre, y a pas de bousculade, y a pas de... Quand on sort, quand on est sorti du stade, en 2 minutes, on était dehors. Alors que moi, les quelques concerts que j'ai fait en Belgique, c'était à chaque fois la cohue, quoi. Vraiment, les gens se poussent et tout. Ici, c'est militaire, hein. Les gens sont hyper droits. Mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et voilà, et donc, pour parler un petit peu du concert en lui-même, on a eu encore un coup de malchance, mais bon, c'était pas très grave. Le décompte, je crois que ça a commencé à 2 minutes, un timer, et après ça commence à descendre, on passe la barre de la minute fatidique, 30, 20 secondes, et je pense que c'était genre 10 ou 11 secondes, non, 9 secondes. Je vous mettrai aussi la vidéo, parce que moi, évidemment, je voulais filmer son arrivée, et là, on voit les lumières qui s'éteignent. Et puis nous, on crie, on pensait que c'était parce que le décompte était fini et qu'elle allait arriver, et en fait, non. En fait, il y a eu une coupure de courant. Mais ils drachaient tout le temps, hein. Ils drachaient tout le long, donc on s'est peut-être dit que c'était à cause de l'eau. Et du coup, ils ont fait une annonce au micro en disant « Désolé, nous avons un petit problème technique, Lady Gaga va arriver dans 5 minutes. » Donc après, ils ont remis un décompte, et là, enfin, elle est arrivée, et oh mon Dieu, quel bonheur. Je vous mettrai à la fin quelques petits extraits vidéo. J'ai pas filmé tout le concert, évidemment. Moi, je vis pas un concert au travers de mon téléphone, j'aime pas ça. Mais j'avais envie d'avoir un souvenir de ce moment, et ça m'a tellement émue, parce que je l'aime, cette femme, depuis... 10 ans, depuis qu'elle a sorti son tout premier single, et c'était vraiment émouvant de la voir et de voir son énergie, et de voir qu'elle disait « Ouais, moi je suis de New York et donc je m'en fous de la pluie ». 1h30 avant le concert, ils m'ont dit que ça n'irait pas, qu'il y avait une plateforme là qui devait bouger, faire des effets et tout ça, qui était cassée. Et moi j'ai dit « Moi je m'en fous, je suis pas cassée, donc je fais le concert quand même », enfin en mode « Les éléments ne vont pas m'arrêter ». Elle a chanté sous la pluie, son piano était sous la pluie, elle a rigolé, elle a même éternué à un moment donné, je crois que je l'ai filmé. C'était authentique en fait. Autant elle peut paraître excentrique, mystérieuse, un peu très sûre d'elle, et je pense qu'elle l'est, mais c'est aussi le personnage, mais autant elle est authentique et vraie et émouvante. Par exemple, son dernier album, Joanne, c'est en hommage à la sœur de son papa qui est décédée quand elle était très jeune, enfin quand elle avait 19 ans je pense, ce qui est très jeune, et elle nous a fait pleurer quoi. Certaines chansons sont hyper fortes, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus pop, beaucoup plus dansant, je vais dire, avec peut-être un sens un peu moins fort, mais il y en a vraiment, c'est... Je sais pas, moi ça me prend aux tripes, et voilà, je l'adore, et je me souviens encore de ma belle-maman chérie, qui regarde mes vidéos je pense, qui m'avait dit en 2009, ouais non Lady Gaga, je pense pas qu'elle va durer, c'est un phénomène de mode. Et j'y repense tout le temps, belle-maman, parce que je me dis non, elle est toujours là. Je pense que c'est une artiste qui va durer vraiment très très longtemps encore. D'ailleurs quand on voit à quel point elle rassemble plein de gens en fait, elle dit à son concert, moi je m'en fiche que vous soyez de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle orientation sexuelle, tout ce qui compte c'est l'amour et tout ce qui compte c'est le respect, et donc vous êtes tous les bienvenus ici. Et ça, c'est génial comme phrase pour commencer, parce que, entre guillemets, ça devient vraiment un acte politique de dire ça, c'est vraiment pour dire je vous accepte tous et je vous aime tous, et il n'y a pas de haine comme il peut y avoir malheureusement à certains endroits du pays avec certaines personnes. Mais donc c'était vraiment un très très beau concert. Elle est pleine d'énergie, elle danse, elle chante, il n'y a pas d'a cappella, il y a peut-être parfois un fond, hein, vous savez, un fond vocal, ouais, comment ça s'appelle, des backing vocals je crois, mais bon ça c'est normal, mais elle a une voix incroyable. Et à tous ceux qui pensent que c'est du modifié, que c'est trafiqué, que c'est pas sa vraie voix, franchement écoutez un live, allez sur YouTube et écoutez un live de Lady Gaga, elle est parfaite. Moi je l'adore, et ce concert n'a fait que renforcer mon amour pour cette femme, et voilà. Je suis super contente de l'avoir vue, malgré les éléments qui étaient déchaînés, malgré
dire les petites péripéties et les Américains qui n'arrêtent pas de bouger. C'était vraiment un super concert. Et si vous avez l'occasion d'aller à un concert aux États-Unis, ben, surtout n'hésitez pas, parce que ça peut vraiment être une chouette occasion aussi de voir la différence entre Belgique, France et USA. Et d'ailleurs, j'avais eu une petite question sur Snapchat de Wendy D qui me demandait est-ce que les mesures de sécurité sont pareilles aux USA et en Belgique. Et en fait, on n'a pas eu de contrôle de sac. Ça, c'était très étonnant, je trouve, hein, au vu des événements quand même pas si lointains. Mais il n'y a pas eu de contrôle de sac. Par contre, il y a un contrôle métallique. Donc on doit quand même avoir son sac à la main. Je sais pas pourquoi ils veulent qu'on l'enlève de notre dos ou de notre épaule. Et ils nous passent le détecteur de métaux. Donc chaque personne est scannée individuellement. Donc bon, je suppose quand même qu'il faudrait le faire. Mais je veux dire, ils regardent pas dans les sacs, quoi. Donc si on a quelque chose dans le sac. Ils regardent pas non plus la nourriture, les boissons. Alors que c'est bien mis qu'on peut avoir qu'une bouteille d'eau, qu'on peut pas amener de bière, évidemment, d'alcool et tout ça. Ils regardent pas. Je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps. Enfin voilà, je tenais à le dire, à répondre à ta question. Et alors, j'ai Pilab54, le petit cerf de la bande des bibiches, qui me demande pour les billets de concerts, spectacles, etc. à New York, sur quel site je les commande. Et en fait, pour les concerts, on achète tout simplement ça sur Ticketmaster, donc Live Nation. Je pense que c'est exactement la même chose en France et en Belgique. Et pour les spectacles, si vous voulez aller voir un show à Broadway, une comédie musicale, je vous conseille cette petite application-là, avec la croix blanche et le fond rouge, qui s'appelle TodayTix, et qui, en fait, est une application qui reprend des bons plans pour les billets de spectacle et qui permet d'avoir parfois des billets moins chers. Donc ça peut être intéressant, mais je ne suis pas allée voir plein de spectacles ni plein de concerts. Donc pour le moment, Live Nation pour les concerts et TodayTix pour les spectacles à Broadway. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous partager ma joie de ce concert et vous partager aussi quelques images, quelques petits morceaux de vidéo pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, mais j'ai pas non plus envie de tout vous montrer parce que peut-être que vous aussi vous allez aller la voir en concert. Je sais que j'ai quelques copines qui y vont au mois d'octobre en Belgique, donc je veux pas non plus tout spoiler, quoi. Donc voilà, je vous mets quelques images maintenant. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, mes petites biches. To the edge of you, where we can both